إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Mes frères et sœurs, l'homme est malade, l'homme est souffrant. Souffrant d'un manque de lucidité sur la réalité de cette vie d'ici-bas. Souffrant de l'amour de vivre dans l'illusion. Et je ne dis pas souffrant d'être victime de l'illusion, mais je parle de l'amour d'être victime de cette illusion. Souffrant car dominé par ses passions, car contaminé par la perversité, en l'ayant rendu quelque chose de tout à fait normal et de banal, contaminé comme un virus qui ne nous lâche plus, aveuglé par l'amour de l'immédiat, rendu sourd au rappel par le chant de l'égarement. Celui qui porte en son cœur ses maladies, ses symptômes qui sont éclairant sur l'état du cœur de l'homme ou de la femme qui agit ainsi, qui vit ainsi, eh bien celui-ci ou celle-là ne pourra en contrepartie que vivre dans l'oubli. Car si on mène une vie qui est en opposition avec ce qu'Allah Azza wa Jal aime, en opposition avec ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in nous a enseigné, si on vit en opposition avec ça, mes frères, on ne peut que être dans l'oubli. Sinon, on ne peut plus se regarder dans la glace. Entre nous, comment peut-on dire « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » et avoir des rapports sexuels en dehors du mariage? Un croyant qui est dans la perversité, dans la fornication, wallah, c'est impossible. Un croyant qui boit de l'alcool, c'est impossible. Un croyant qui vend de l'alcool, c'est impossible. Un croyant qui consomme des drogues, c'est impossible. Qui vend des drogues, c'est impossible. C'est impossible d'être dans le rappel de la réalité qu'Allah Azza wa Jal nous voit et nous entend et faire ces choses-là, c'est impossible. Donc qu'est-ce qui se passe forcément? Il faut être dans l'oubli. Donc le croyant met sa foi sur pause. Il met sa foi sur pause. Des gens qui, je vous l'ai dit, ne sont pas simplement victimes de l'illusion, mais qui aiment vivre dans l'illusion. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. Nous avons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam extrêmement clair sur la méthodologie à prendre pour pouvoir justement ne pas vivre dans l'oubli. Elle est très simple. Écoutez la traduction du hadith. Akthiru, c'est-à-dire, soyez non seulement constant, mais en plus faites un rappel nombreux, sans arrêt. Faites sans arrêt le rappel de celle qui détruira tous les bienfaits et toutes les passions. Faites sans arrêt le rappel de la mort, afin justement qu'on puisse se rappeler que tous les buts qu'on se met ici et qui ne sont qu'à court terme, éphémères, vont disparaître. Mais seuls resteront nos actions. يقول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقدم الله عز وجل خلق الموت هنا في الآية قدم الموت على الحياة. Allah عز وجل nous dit dans le sens du verset, celui qui a créé la mort et la vie afin de voir ceux d'entre vous qui auront les meilleures actions. Et dans le verset ici, Allah Azza wa Jal fait passer le mot mort, al-maut. Al-maut. Le mot mort avant le mot de la vie. Pourquoi? Parmi les choses que nous enseignent les ulémas du tafsir, de l'exégèse du Coran, il y a simplement le fait que il vient avant parce qu'on doit regarder notre vie et vivre notre vie à travers le filtre de la mort. Afin que la mort soit une certitude pour nous. On le sait tous qu'on va mourir. Mais est-ce qu'on vit en fonction de cette certitude? On sait tous qu'on va mourir. Afin justement que cette mort soit une méthodologie dans notre existence, afin de nous faire relativiser les choses.
Deux choses importantes, mes frères, afin qu'on essaie de se rappeler de la réalité de cette vie d'ici-bas. La première des choses, mes frères et sœurs, c'est qu'ici, nous ne sommes pas chez nous. Dans cette dunya, nous ne sommes pas chez nous. Nous n'appartenons pas à cette dunya. Notre véritable maison, mes frères et sœurs, c'est le paradis. Parce que Adam alayhi salam a été créé au paradis, ainsi que son épouse. Ils en ont été sortis. Et un jour, Inch'Allah, on y reviendra. Qu'Allah fasse qu'on puisse revenir au paradis. Première des choses, nous sommes des voyageurs ici. Ce n'est pas notre maison. Notre maison, c'est le paradis, mes frères et sœurs. Deuxième des éléments, nous n'avons pas simplement une nature à rester dans l'éphémère, puisque nous avons en nous une chose qu'Allah Azzawajal a mis, qui, elle, ne disparaîtra pas, et qui est notre esprit. Ruh. Donc non seulement nous n'appartenons pas à cette vie éphémère, à cette dunya éphémère, mais nous appartenons au paradis. Et deuxièmement, en nous-mêmes, nous avons une matière qui, elle-même, appartient aussi à l'au-delà. Yaqulu Shahir. يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحدة والثرى ويوما عبوسا تشيب منه النواصيا لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو دامت الدنيا لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا ولكنها تنفى وينفى نعمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا Ô toi le serviteur qu'Allah ne cesse de voir dans la désobéissance, employant toute ton énergie pour la vie d'ici-bas, en oubliant l'au-delà. Anasita liqa Allahi wal lahda wa thara, wa yawman abusan tashibu minhu nawasiya. As-tu donc oublié la rencontre avec ton Seigneur et la tombe qui va te recouvrir de terre, ainsi qu'un jour si difficile que la couleur blanche enflamme les cheveux de celui qui sera jugé. Law anna al mar'a lam yalbas thiyaban min at-tuqa tajarrada 'uryanan walau kana kasiya. Et si le serviteur ne se pare pas du vêtement de la piété, il est en réalité déjà nu, même si en apparence il est vêtu. Walau damat ad-dunya li ahliha lakana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hayyan wa baqiya. Et si la vie éternelle était donnée à quiconque sur cette terre en fonction de sa valeur, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait encore vivant parmi nous. اللهم اجعلنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب العالمين ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. Mais elle est vouée à disparaître avec ce qu'elle porte comme délices éphémères, puis celle reste les péchés et les désobéissances. يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Et c'est ainsi que viendront les affres de la mort en toute vérité. Ceci est la chose dont tu cherchais toujours à t'écarter, que tu cherchais à oublier, que tu cherchais à recouvrir par les choses de cette vie d'ici-bas. ونفخ في الصور. Et après cela, il sera soufflé dans la trompe pour la résurrection. Voici la réalité du jour de la menace et de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Et viendra les affres de la mort en toute vérité. Mes frères, la première des vérités, c'est que nous allons tous mourir, alors qu'Allah azza wa jal, il est Al-Hayy, l'éternel qui n'a ni commencement ni fin, et que lui ne meurt pas. Et que lui est éternel. Et les affres de la mort viendront avec la vérité, mes frères et sœurs. Et la vérité, c'est que lorsque nous allons mourir, deux types d'anges vont recueillir nos âmes. Soit les anges du châtiment, Allahumma ahfadna min dhalik. Soit les anges de la miséricorde, Allahumma arzuqna dhalik ya rabbal alamin. Viendront les affres de la mort en toute vérité. Et la vérité, mes frères et sœurs,
c'est que notre tombe sera soit un des jardins du paradis, ou soit une des fosses de l'enfer. Allahumma ihfadna min dhalik. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Les affres de la mort viendront en toute vérité avec la mort. Et la vérité, c'est que lorsque nous allons partir, la seule chose qu'on va prendre avec nous, c'est nos bonnes actions. Mais que malheureusement, nous allons aussi porter sur nos dos nos mauvaises actions. Allahumma ihfadna ya rabbal alamin. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Les affres de la mort viendront en toute vérité. Et la vérité, mes frères et sœurs, c'est qu'Allah Azza wa Jal voit tout, sait tout, entend tout, connaît nos moindres pensées, les moindres recoins de nos âmes, il sait exactement ce qu'il y a. Qu'on verra tout ça au jour du jugement, devant Allah, d'une façon qui sied à sa majesté. Allah, mes frères, si un seul de nos péchés qui est sale était dit devant notre père ou notre mère, Allah, inestahi min dhalik, on aurait honte de ça. Nos péchés vont être exposés devant Allah Azza wa Jal. Ma huwa hubbuna lillahi Azza wa Jal. Wa ma huwa ihtiramuna lillahi Azza wa Jal. Wallah, si quelqu'un venait et prenait une liste de mes péchés et les lisait devant ma mère, hafidha Allah, j'aurais une telle honte. Je ne saurais pas où me mettre. Et nous, on sait qu'au jour du jugement, tous nos péchés vont être mentionnés devant Allah Azza wa Jal, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, acceptera de mettre de côté. Ya Rabbal Alamin, Allahumma asturna fi dunya wa fil akhir. Demande à Allah Azza wa Jal de cacher nos péchés, nos uyoub dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ya Rabbal Alamin. Wa ja'at sakratul mawti bil haqq. Viendront les affres de la mort en toute vérité. Et la vérité, c'est que cette vie d'ici-bas n'est qu'une illusion éphémère. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Et c'est cette chose-là que tu fuyais. Voici la chose dont tu étais toujours en train de tenter de t'échapper. On essaie de s'échapper de la maladie en allant vite chez le médecin. On essaie de s'échapper de la pauvreté en se ruant au travail. Si seulement on se ruait à la mosquée comme on se rue au travail. Si seulement on se ruait envers les hassanettes, les bonnes actions, comme on se rue envers l'argent. Alors que les hassanettes et l'argent n'ont pas du tout la même valeur. Une seule hassanette est meilleure que toute cette dunya et tout ce qu'elle contient. Mais je ne suis pas un fou qui va demander aux gens d'aimer plus les hassanettes que l'argent, en termes général. Illa man rahimahullah. Je suis en train de vous dire que si simplement les gens qui disent la ilaha illallah, simplement, aller aussi vite et se précipiter autant vers les hassanettes que comme ils se précipitent vers l'argent. Wallah, mes frères, tout ce qu'on vit dans cette dunya aujourd'hui, de problématiques de la Ummah qui se fait massacrer aux quatre coins du monde, je peux vous assurer qu'on n'en vivrait pas un dixième. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Voilà, t'es en train de fuir le rappel de la mort. T'es en train de fuir le rappel de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu regardes, tu te bourres le crâne avec des séries Netflix du matin au soir, avec des clips, avec de la musique, pour oublier toutes ces choses-là. La vérité, elle va te rattraper, Akhil Karim. Alors mes frères, quand on pose la question, il y a deux questions à se poser. C'est quand et comment. Et le quand ne cherche pas à trouver la réponse d'une date. Le quand cherche à trouver la réponse d'actions que l'on va faire avant de mourir, Inch'Allah. Première des questions, mes frères et sœurs. Est-ce que tu vas mourir avant ou après t'être repenti? Un repenti sincère, pas un repenti de la langue. Un repenti sincère, un repenti du cœur et un repentir des actes. Est-ce que tu vas mourir avant ou après avoir au moins quelques fois dans ton existence goûté à une prière qui te plonge dans les délices de la foi? Est-ce que tu vas mourir avant ou après qu'Allah Azza wa Jal t'ait élu comme étant un de ses invités, min duyuf ar-Rahman, parmi les invités du tout miséricordieux, c'est-à-dire d'être un pèlerin pour aller faire la Umrah ou pour aller faire le Hajj? Est-ce que tu vas mourir avant ou après cela? Et pour mes sœurs, est-ce que tu vas mourir avant ou après t'être voilé? Un véritable voile. Un voile dans le vêtement. Un voile dans le comportement. Un voile dans ton vêtement. Et un voile dans ton comportement, dans ta façon de parler, dans ta façon de marcher, dans ta façon de regarder. Un voile de pudeur, un voile de noblesse. Et à nos frères aussi. Cette fois-ci, le voile qu'ils doivent prendre, qui est un voile de pudeur et de noblesse, n'est pas un voile qu'ils vont mettre sur leur tête. Mais c'est un comportement et une façon claire, simple et respectueuse de s'habiller aussi.
Est-ce que tu vas te repentir avant ou après avoir arrêté de vendre des substances illicites? Et quand on dit substances illicites, tout le monde pense aux jeunes. Bien sûr, je pense aux jeunes. Et en principe, il y a sûrement des jeunes qui sont ici, là, qui vendent de la drogue. Certainement, logique. Alhamdoulilah, au moins même s'ils vendent de la drogue, ils font Jumu'ah, alhamdoulilah. Mais je parle aussi aux autres qui ont des magasins qui vendent de l'alcool. Tout ton argent est haram. Tout ton argent est haram. Tu peux même pas faire le hajj. Miskin. Et miskin, c'est un istihza quand je dis miskin. Tu vends du haram, ton argent est illicite, tu n'es même pas digne de t'offrir une umrah. Allah Azzawajal ne veut pas de toi, ni pour la umrah, ni pour le hajj. Ta umrah, si tu la fais avec de l'argent illicite, elle n'est pas acceptée. Allahumma rzuqna al-mal al-halal, ya rabbal alamin. Tu vas faire tawbah avant de rendre ton magasin plein de mal, qui est la cause d'une des plus grandes. Vous savez, l'alcool, c'est encore plus grave que la drogue. Les conséquences de l'alcool en France sont encore plus graves que les conséquences de la drogue. Le nombre de familles où les pères battent leurs enfants et battent leurs femmes à cause de l'alcool. Le nombre de mères qui délaissent l'éducation de leurs enfants à cause de l'alcool. Le nombre de personnes qui meurent sur les routes à cause de l'alcool. Alors ceux qui ont des magasins, wallah, taqullah, et vous ne pourrez berner que les gens sur votre apparence de piété. La réalité, Allah Azza wa Jalla la connaît. Et la réalité du halal ou non de vos biens, Allah Azza wa Jalla la connaît. Demande à Allah d'inspirer la tawbah et le repentir à tous ceux qui ont entendu cette khutbah, ya Rabbal Alamin. Enfin, ce sera avant ou après d'avoir arrêté de faire pleurer ton père et ta mère. Est-ce que tu vas te repentir avant ou après d'avoir fait pleurer ton père et ta mère, et tes frères et tes sœurs? Prenons l'exemple de ceux qui rentrent en prison. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils vont en prison, c'est simplement eux qu'ils ont été attrapés et qui ont été mis en prison. Et tous les papas qui sont là, et tous ceux qui ont des frères et sœurs qui ont été en prison vont comprendre ce que je vais dire. Quand tu rentres en prison, ta famille rentre en prison avec toi. Ta mère qui t'a donné la vie, miskina, ton père qui s'est tué au travail pour toi, il rentre en prison avec toi. Ça veut dire que tu es tellement un injuste envers toi-même, mais tu es aussi injuste envers ton père et ta mère. Tu les as rentrés avec toi. Tu as fait rentrer la tristesse dans leur cœur. Tu vas mourir avant ou après d'arrêter ça? Et comment? Comment est-ce qu'on va mourir, mes frères? On va mourir en prosternation? En recours? En ayant nos ablutions? Ou bien alors, est-ce qu'on va mourir en étant sur le chemin de la mosquée? En étant sur le chemin de la Mecque, pour aller faire la Umrah, pour aller faire le Hajj? Est-ce qu'on va mourir comme ça, ou alors on va mourir sous effet d'alcool, dans une voiture, avec des gens autour de toi qui sont des criminels, qui sont soi-disant tes amis, mais le jour où tu deviendras droit, tu te rendras compte que ce ne sont pas tes amis, ces gens-là? Mourir dans un hal, dans une situation aussi sale que celle-là? Mourir sous effet d'alcool, sous effet du bédo, sous effet... Malheureusement, de la cesser, c'est devenu quelque chose de normal aussi, Allah Musta'al. Mourir comme ça ou mourir prosterné? Mais Allah Azza wa Jal ne nous donne pas l'honneur de mourir prosterné à n'importe qui, mes frères. Mourir dans le halal ou mourir dans le haram? Mourir dans un pays lointain où on part juste pour faire du haram? Et là, le pays qui me vient à l'esprit, c'est la Thaïlande. Des pays du fils comme ça, de la perversité, Allah Musta'al. Combien de jeunes arabes? Des gens qui se disent musulmans, qui font salat al-jumu'ah, ils passent leurs vacances dans les pires endroits du monde. Tu veux mourir là-bas, frère? Ou tu veux mourir sur le chemin de la Mecque, pendant ton hajj? Allahumma atina ya rabbal alamin. Sanamut wal kullu yubriduna, ou sanamut wal kullu yuhibbuna. On va mourir avec uniquement des gens autour de nous qui nous aiment, et quand on part, c'est une disparition. Ou bien alors on va mourir et on sera une personne qui, lorsqu'elle a disparu, les gens vont s'en réjouir. Je ne parle pas de ta mère et de ton père, Msakine, ils ne pourront pas s'en réjouir. Je parle de tes voisins. Je parle des gens à qui tu fais du mal. Je parle des gens peut-être que tu as volé, que tu as spolié. Le jour où tu vas mourir, on fera. Comment est-ce qu'on va mourir? Et si on parle des gens qui meurent avec des autres autour qui t'aiment, je ne peux pas mentionner Habibuna. Je ne peux pas oublier de mentionner Habibana, Sheikh Rachid Haddash, qui est un da'i qui, pendant plus de 30 ans, appelé à l'islam, qui a voyagé partout en Belgique, en France, tabarakallah, dans le monde, qui aussi travaillait dans le social, qui était très proche des jeunes, qui était très spirituel, très profond, mais qui savait aussi rigoler avec les jeunes, tabarakallah.
C'était pas quelqu'un qui faisait toujours des blagues, mais c'est quelqu'un qui savait détendre l'atmosphère. Mais il était très profond. Et c'est important de se rappeler que la da'wah de Rachid Haddash, c'est pas simplement des choses qui, parfois, ont fait rire un petit peu les jeunes pour les ramener au din. Il était très profond, très spirituel. Il avait des connaissances, tabarakallah. Lorsqu'il est mort, il est mort dans la plus grande... Ils ont fait la prière de Janazas dans la plus grande des mosquées de Belgique. Immense, la mosquée. Remplie à l'intérieur, remplie dans le parking, remplie dans les rues. Il y avait environ 15 000 personnes, ils ont dit. C'est plus que l'Eid. Vous vous rendez compte, le tawfiq? La police a fermé des rues. Ensuite, quand il est parti, quand le convoi funéraire a quitté la mosquée pour aller au cimetière, il y avait des policiers autour. Ah, on n'est pas en France, hein, les frères, ça c'est clair et net. Hein. C'est la Belgique, franchement, alhamdoulilah. Avec des policiers autour qui ouvraient la route, etc. On aurait dit que c'était un ministre qui était mort. Et encore, je dis un ministre. C'est un ministre, il meurt, il y a juste les gens qui sont intéressés. Je ne sais pas, on aurait dit qui est mort. Allahu Akbar. Et Cheikh Rachid, la veille de l'opération qui a été la cause de sa mort, rahimahullah, je l'ai visité. Et je lui ai dit, Cheikh, t'as l'air un peu fatigué, je ne vais pas rester longtemps. Il m'a dit, non, Inch'Allah, on essaie d'être fort dans notre foi. Je lui ai dit, Cheikh, comment tu te sens, ça va? Il m'a dit, Oustad Younous, pendant 30 ans, j'ai appelé les gens à se rappeler de la mort, à se rappeler du paradis, à se rappeler de l'au-delà. Pendant 30 ans. Je les ai appelés à patienter sur la mort. Maintenant est venu le temps de l'application. Et ce que j'ai pu voir de lui, tabarakallah, c'est vraiment qu'il a patienté. Et même lorsqu'il était dans les souffrances, subhanallah, il nous donnait des conseils. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الشاعر كل ناع فسينعى. Que toute personne qui présente ses condoléances sache qu'un jour on les présentera pour lui. وكل باك فسيبكى. Que toute personne qui pleure pour une perte sache qu'un jour on pleurera pour sa propre perte. كل مذخور Sayefna, toute chose qu'on conserve auprès de nous finira par finir, par périr et par disparaître. Kullu madhkurin sayumsa, tout être évoqué finira par être oublié. Laysa ghayrallahi yabqa, man alafa Allahu a'la. Allahu akbar. Rien ne subsistera en dehors d'Allah, et quiconque s'élève, Allah sera toujours au-dessus. Inna shay'an qad kufina, une chose dont Allah nous a épargné. Hulahu nas'a wa nashqa. Nous nous précipitons vers elle, puis le malheur nous prend. Inna li sharri wa lil khayri. La sima laysa tahfa. Certes, le bien et le mal ont des signes qui ne trompent pas et ne se confondent pas. Kullu mustakhfin bi sirrin fa min Allahi bi mara'a. Toute chose cachée secrètement est certes évidente pour Allah. La tara shay'an 'ala Allah min al-ashya'i yakhfa. Il n'y a pas une chose que tu puisses voir et qui soit cachée d'Allah Azza wa Jal. Qala Allah Azza wa Jal, innaka mayitun wa innahum mayitun. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, certes, tu vas mourir et certes, ils vont tous mourir. Hadha kalamullah li rasulih sallallahu alayhi wa sallam ahsani khalqillah. Cette parole, c'est la parole qu'Allah Azza wa Jal a dite à la meilleure de ses créatures. Et la sunna d'Allah Azza wa Jal, c'est que nous allons tous mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il était pris par les affres et les tourments de la mort, la ilaha illallah. Certes, la mort a ses affres, a ses souffrances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup souffert avant de mourir.
ثم اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لمضاعفة أجره ورفع درجاته فقال ابن مسعود رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وكعا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قال قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ابن مسعود رضي الله عنه est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était sur son lit de mort. Il a pris sa main avec tendresse et avec amour. Il a dit, Ya Rasulallah, je te vois en train de souffrir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, effectivement, je souffre terriblement. Et je souffre comme pourraient souffrir deux hommes parmi vous. Puis Ibn Mas'ud radiallahu anhu de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu souffres comme deux hommes parmi nous parce que tu vas avoir la récompense de deux hommes parmi nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, Ajal, oui effectivement, c'est cela la raison. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله بها سيئاته كما تحط شجرة ورقها. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire dans le sens il n'y a pas un seul musulman qui est atteint de maladie ou autre chose du même type sans que par la douleur qu'il a ressentie dans cette maladie Allah ne fasse disparaître un grand nombre de ses péchés. Tout comme les arbres en automne perdent leurs feuilles. وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها de nous dire je n'ai jamais vu personne souffrir comme a souffert le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier jour de son existence, comme vous le savez certainement, les maisons de ses épouses étaient collées à la mosquée. Il y avait juste un rideau qui le séparait de la mosquée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne pouvait plus se lever, a trouvé la force de tirer le rideau et de regarder les sahaba radiallahu en train de prier. Il a vu les gens qui ont défendu le dîn d'Allah Azza wa Jal. Il a vu les gens qui ont patienté sur la pauvreté, qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient. Il les a regardés d'un regard tendre, d'un regard de fierté quand il a vu ces hommes et ces femmes. Voilà, que dirait le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il nous regardait aujourd'hui? Est-ce qu'on s'acquitte de la mission qu'on a dans le Moustah? Quand les sahaba radiallahu anhum, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru que ça y est en fait, ils étaient en train de prier. Ils ont cru que ça y est, il était guéri. Il y avait l'espoir. Quand tu aimes quelqu'un, le premier signe de guérison t'en fait tout un symbole et t'as l'impression que c'est bon, tout est fini. Mais ils ne savaient pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a regardés du regard de celui qui dit adieu. Avec un simple regard, il leur a dit adieu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort. Mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, mes frères, c'est pas un cours d'histoire qu'on a fait là. Et c'est pas simplement quelque chose qu'on doit lire dans les livres. C'est une chose qu'on doit ressentir. Wallah yahi, pour celui dont la mère est morte ou dont le père est mort, si j'en avais parlé sur le minbar ici, il serait déjà en train de pleurer. Qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Puis vint l'heure de la prière. C'est le moment de faire l'adhan. Celui qui fait l'adhan, c'est Bilal, radiallahu anhu, c'est le mu'adhin. Il sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort, mais il ne l'a pas encore compris, vraiment. Il commence à faire l'adhan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jusqu'au moment où il arrive à Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quand il arrive là, il ne peut plus continuer. Quand on dit Muhammad ou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour vous et moi, ce sont des mots, on s'imagine, mais ce sont juste des mots. Eux, ils ont connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Bilal radiallahu anhu s'effondre.
il n'arrive pas à continuer l'adhan parce qu'il a compris que maintenant, le fait de dire Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sera plus un homme qu'il aura en face de lui, mais ce seront des mots et des souvenirs. Ça l'a tellement blessé, et chaque ruelle lui rappelait la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Bilal a quitté Médine. Il ne pouvait plus rester à Médine. Chaque recoin de Médine lui rappelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a juré qu'il ne ferait plus l'adhan. C'est-à-dire, je fais l'adhan pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est fini. Il est parti à Damas. Quelques années après, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, émir al-mu'minin, vient avec d'autres sahaba le visiter pour des affaires du pays, bien évidemment. Et ils lui disent, ya Bilal, dhakirna bi ayyami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, Bilal, rappelle-nous les jours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais l'adhan, on va entendre ce adhan. Ça va nous rappeler l'époque où il était avec nous. Vous rendez compte, ils ont vécu avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bilal accepte de faire l'adhan. Il commence. Et quand il arrive à la shahada avec Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pareillement, le son se coupe, il pleure, tous les sahabas pleurent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il l'aimait d'un amour profond et sincère, inshallah ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man salla alayya salah, sallallahu alayhi biha ashra. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارزقنا بالبصيرة لهذه الدنيا يا رب العالمين. Demande à Allah de nous accorder une vue qui soit réelle sur ce qu'est la réalité de cette vie d'ici-bas. Allahumma dhakkirna bil maut fi qulubina wa fi uqulina wa fi qira'atina. Demande à Allah de nous rappeler la mort sans arrêt dans nos cœurs, dans nos intelligences et à travers aussi les lectures et les discussions qu'on aura, ya Rabbal Alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana warzuqna bit tawbata as-saliha ya Rabbal Alamin. Demande à Allah de nous pardonner nos péchés et de nous accorder le fait d'avoir l'honneur de recevoir le repentir. Repentir sincère pour Allah Azza wa Jal. Allahumma arham akhana wa shaykhana wa habibana Rashid Haddash ya Rabbal Alamin. Allahumma arfa'hu. Allahumma arfa'hu ila al-firdaus ya Rabbal Alamin. Demande à Allah de faire la miséricorde à notre cheikh, à notre frère, à notre aimé et bien-aimé Rashid Haddash et de l'élever dans les degrés du paradis jusqu'au firdaus al-a'la ya Rabbal Alamin. اللهم اغفر له ذنوبه اللهم استره يوم القيامة يا رب العالمين اللهم ارزقه بروضة من رياض الجنة. Demande à Allah qu'il le ressuscite habillé de ses bonnes actions يا رب العالمين et qu'il lui accorde un des jardins du paradis comme tombe يا رب العالمين, une tombe si grande qu'elle a la portée de l'œil à l'horizon يا رب العالمين. Demande à Allah aussi de réconforter sa famille. Il a 6 enfants derrière lui. Demande à Allah de les renforcer, ya Rabbal Alamin.